ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. On va faire un petit spécial pour nous autres, pour nous faire plaisir à nous autres. Inno Negomo! Inno Negomo! Un des premiers sons dont je me souvienne, c'est celui du tambour que mon grand-père utilisait pour faire danser la famille. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Marie-Louise Zébulon au 32e festival d'Inno Negomo, Kim. Ah hey, oui, Chaloute, regarde, Zébulon qui vont faire l'ouverture officielle après la cérémonie protocolaire. Oui. Jeudi, donc, en grande ouverture du festival Zébulon cette année, oui, ça va être bon. 32e édition, Kim Fontaine, coordonnateur, directeur musical, qu'est-ce que ça fait? Regarde, 32 ans de festival, faut pas oublier que c'est 32 ans de festival sans alcool. Fait que je pense qu'on peut se taper sous l'épaule pour dire qu'on fait quelque chose de bien. Puis, regarde, on a une belle programmation cette année, fait qu'on est super contents là,
les artistes qui vont passer sur la scène, dont Zébulon, Pédaben, Coréas, Meshuggah, Gilles Siwi, David Hart, puis en grande fermeture avec Simple Plan. Quand tu leur dis là, aux commanditaires là, que ton festival là, il est sans alcool, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on leur dit ça, c'est sûr que là, ils comprennent qu'on a besoin beaucoup de support financier. Là. Mm-hmm. Fait qu'ils nous regardent d'un autre œil, puis ils font comme, regarde, c'est familial, c'est plus facile pour eux de soutenir financièrement dans ce temps-là. OK, mais on va y aller avec une chanson? Oui, regarde, je t'invite à passer une chanson de Shawit qui va faire partie du dimanche un petit peu avant Simple Plan. Donc, ça va être un beau spectacle que Shawit va nous livrer, j'en doute pas. Kétino, Shawit, ou des hautes séquelles? Kétino! Maluténam, c'était un lieu de rassemblement. Parce qu'ici, il y a la rivière Moisi, Mshtashipu, qui est la route que nos parents prenaient pour entrer à l'intérieur des terres. Et la pointe, Macheteo, qu'on appelle, était un point de rencontre pour l'été. Maluténam, écoute, Maluténam, ça a été fondé aussi dans les années 50. Les Innus qui sont ici venaient de Moisi, 7 km à l'est, où il y avait une base militaire. Ça fait que ça a été les années de formation de réserve. On était dans une réserve. C'était la sédentarisation qui commençait. Les parents ont arrêté d'aller dans le bois. On est obligé d'aller dans des pensionnats. Quand ils ont découvert la capacité industrielle du territoire, ce qu'ils ont fait dans notre cas ici, chez les Innus, c'est qu'ils ont ramassé toutes les jeunes Innus qui vivaient sur le territoire, comme moi et ma famille, et ils les ont amenés dans la réserve de Maluténam. Puis évidemment, il y a eu un pensionnat qui faisait partie du projet aussi. Là. Et là, nous en étions rendus aux difficultés que nous rencontrons chez l'Indien pour le former à une véritable vie chrétienne. Est-ce que ça ne viendrait pas de ce que nous n'avons pas eu suffisamment, n'avons pas utilisé suffisamment les moyens actifs de former à la vie chrétienne? Nos Indiens, comme d'ailleurs un peu tous les peuples qui sont dissemblables de ceux qui les entourent, il me semble qu'il faudra qu'on essaye d'élever leur niveau intellectuel aussi bien que moral à quelque chose de supérieur de ce qui les entoure. Autrefois, le missionnaire s'adressait à l'Indien adulte comme à l'Indien enfant, mais aujourd'hui, on se préoccupe, semble-t-il, davantage de l'enfant. Ah, évidemment, ce n'est pas seulement un fait chez les Indiens, c'est un fait mondial. Hein. On s'intéresse beaucoup plus à l'éducation de l'enfant parce que, après tout, il est malléable à l'âge où on le trouve. On peut en faire à peu près ce qu'on voudra. Si on peut affermir sa volonté, c'est par les écoles du jour, les écoles pensionnaires. Nous en Quand ils ont arraché les enfants de la famille, mes parents étaient complètement brisés. Il n'y avait plus de responsabilité. Ils sont devenus brûlés par l'alcool. On était 7 à la maison, puis en septembre, il n'y avait plus d'enfants chez mon père et ma mère, là, au Labrador. Ce qu'ils ont dit à mes parents,
Vos enfants n'auront plus jamais froid et ils n'auront plus jamais faim. Moi, je me souviens pas d'avoir eu faim, là, ni d'avoir eu froid. La part, je l'ai connue quand je suis arrivé au pensionnat. Tout le monde avait peur dans les pensionnats. Pourtant, il y avait deux jurés, deux frères, qui gardaient à peu près 125 personnes, 130 enfants. Tu voyais qu'il était tiré par les oreilles, il était levé à terre de même. Des coups pour assommer des personnes, non? J'ai vu ça, j'ai vu de la peur dans les yeux, j'ai senti ça quand j'ai rentré. Comment as-tu vécu les pensées? Très, tu as assez dit, tu as assez non, mal. Moi-même, sans aller dans les détails, j'ai été agressé. Ben, je pense qu'ils en ont beaucoup profité. C'est religieux et religieuse. Moi, j'ai des amis qui s'en sont jamais remis, là, tu sais. Ils ont choisi la mort. Ils sont partis. Ils ont décidé que non. Il n'allait pas vivre avec cette souffrance-là, le fait d'avoir été agressé dans ces endroits-là. Quand je suis sorti du pensionnat, j'avais 12-13 ans et j'étais complètement perdu. Là, je savais pas, hey, c'est mes parents, ils sont où? Ma langue, c'est quoi moi? Je parle quoi moi? Je parle-tu français? Je parle-tu anglais? Je parle-tu inou? On était supposés d'être devenus des médecins, là, des avocats et des ingénieurs. Là. C'était ça. Là. Mais ce qu'on n'était pas devenus. Et on était devenus surtout orphelins. Orphelins de notre langue, orphelins de nos parents, orphelins de territoire, orphelins. Je m'en suis quand même bien sorti parce que la musique m'a aidé. J'étais très chanceux parce qu'il y a une famille qui m'a accueilli et qui m'a donné une chance de vivre et de retourner sur le territoire. C'est là que je suis revenu au monde à un moment donné, tu sais. C'est là que j'ai revu les gestes de mes parents. C'est là que j'ai revu la mentalité et toute la spiritualité. Me comprends-tu, mon petit? Puis de revenir ici et d'avoir la chance de mettre ça en musique et de mettre ça en chanson, ça m'a complètement aidé à continuer à vivre, en fait, tu sais. Voici maintenant le chansonnier folkloriste, le Huron vagabond du village Huron de Loretteville.
puis le vagabond du village Huron. Les plaines et les monts sont mon horizon. Et sous la voûte bleue d'un ciel radieux, je chante mes aïeux. En Adouget, en Adouget. Moi-même, quand je suis arrivée en 76, je savais même pas qu'il y avait des Innos sur la Côte-Nord. J'étais une Québécoise pure laine. La première femme Inno que j'ai rencontrée, j'étais contente, elle avait l'air bien joviale. Je pensais que c'était une Italienne. Je lui ai demandé en italien comment est-ce qu'elle allait. Fait que là, elle m'a regardée. C'est devenu ma grande amie par la suite. Elle m'a dit, l'émigré entre nous deux, c'est pour moi. J'étais vraiment de passage, j'étais en vacances. J'avais jamais vu la Côte-Nord, alors je partais sur la Côte-Nord. Eh bien, je suis encore ici 40 quelques années plus tard. Alors, de fil en aiguille, j'ai rencontré des Innos qui avaient à cœur une espèce d'esprit positif, malgré toutes les difficultés. En 76, on a des problèmes dans les communautés Innos, beaucoup, beaucoup. Mais il y a des jeunes qui désirent eux autres, tu sais, vivre, simplement vivre, puis avoir du fun, puis être capable de véhiculer, continuer à véhiculer des valeurs que leurs grands-parents leur ont apportées. Moi, à l'époque, je connaissais quelques artistes qui faisaient de la musique sur scène et qui voyageaient. Je connaissais Marley Loon. À l'époque, je connaissais Willie Dunn, Philip McKenzie. Et à travers ces rassemblements-là, dans les powwows, à un moment donné, c'est là que j'ai rencontré Willie Mitchell, qui chantait « Call of the Moose ». Au départ, Inno Nikomo, on était trois. Il y avait moi, il y avait Jean-Luc Volant, puis il y avait également Florent Volant, Titi. Ah, ça s'était fait au début des années 80, à la Rivière-Moisy. Il y avait des soirées de musique où plusieurs musiciens jammaient ensemble, puis ils présentaient également leur composition. On est arrivé puis on a mis des planches de plywood ensemble, puis on a installé des micros, là, puis tout le monde venait. Ça, c'était avant le festival. C'était les premières fois où on pouvait entendre des jeunes chanter sur une scène dans la communauté. Je me disais, OK, ça se peut, tu sais, on peut faire ça. On peut se rassembler autour de la musique. Ça avait peut-être été rêvé collectivement avant d'être parlé à deux, trois. Là. Je pense que oui. Je pense que c'était dans la tête de beaucoup de monde et puis qu'à un moment donné, ça a fini par trouver un canal puis sortir comme ça. Si à Manutenam, on montait une scène et qu'on faisait un rassemblement, j'étais très jeune à l'époque, très innocent aussi. Là. Puis quand je suis arrivé sur le site le premier jeudi soir du festival, là, que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, t'sais, j'ai fait comme, oh, OK, c'est ça qu'on a fait, t'sais.
première année, ça a été un nouvel enthousiasme, une nouvelle orientation dans laquelle beaucoup de jeunes ont baigné, sont embarqués. C'est un petit peu comme, t'es dans les montagnes russes, là, puis t'es un gros carrosse, là, puis là, t'embarques ceux qui veulent embarquer dans... Tout le monde ne savait pas, par exemple, c'était pour être une montagne russe, là, mais en tout cas, on embarque, festival de musique, ah oui, on embarque, on part. On s'était improvisé, metteur en scène, je sais pas moi, on s'était improvisé de tout. Travailler comme backstage, travailler comme vendeur promotionnel. Technicien de scène à la va-vite, quoi. Nettoyer les toilettes. J'ai tout appris pour savoir comment marche le festival. Moi, premièrement, pourquoi j'avais embarqué? Je trouvais que les Indiens, il me semble qu'il n'y en avait pas assez. J'en connaissais pas d'autres. Quelqu'un a mentionné dans le groupe si on invitait les nations autochtones du Québec. On les connaissait pas. On s'est aperçu qu'on les connaissait pas toutes. Il fallait trouver un Abénaki qui chante. Des Manicites. On savait même pas qu'ils existaient. Ça se passe chez nous. C'est un moment de grâce, là. Tu sais, quand tu dis que c'est le chant de gorge existe depuis des milliers d'années, puis que c'était la première fois que nous, on assistait à ça, là, tu sais. Ça faisait pour moi une grandeur du festival. On logeait les musiciens des autres nations à main des familles qui s'étaient portées bénévoles pour héberger des musiciens venus d'ailleurs. Ça faisait partie de l'échange, c'était d'essayer de se comprendre. Les cultures sont différentes, mais l'esprit, le fond, l'âme, il y a un dénominateur commun dans l'âme autochtone. Que tu sois du Chili, que tu sois d'un petit peu partout, le lien de fraternité, il est là. Vu qu'on avait réussi le premier, ben, on va y aller pour une deuxième. J'ai jamais pensé que ça allait se rendre jusqu'à 32, c'est ça? J'allais jamais penser à ça. Et puis, les musiciens qui étaient venus nous avaient dit, OK, on va revenir. T'sais? On va revenir. S'ils reviennent, il faudrait peut-être continuer. Mmh.
on chante la musique. Une musique un peu à notre façon. Beaucoup de personnes ici à Malio touchaient d'un instrument, c'était surtout la guitare, mais chantaient, jouaient du drum, à toutes les trois maisons quasiment que tu avais des musiciens. Mais dans les maisons ou dehors ou dans les fêtes, ce que tu entendais, c'était beaucoup des chansons en français ou en anglais. Maintenant, 30 ans plus tard, ça semble curieux de dire ça, mais on chantait presque pas en Inuit. Oui, je faisais de la musique pour le fun. Ah oui, parce que ça fait assez longtemps que le monde me connaît, mais je suis pas tout le monde qui me connaît. La première année, on s'est aperçu qu'il y avait, je pense, 90% des groupes chantaient soit en anglais ou en français. Puis Philippe, c'est un des premiers qui chantait dans la langue maternelle, le Inuit. Puis c'était beau. Puis il parlait beaucoup de perte de culture, ce que le monde qu'on vivait. J'ai entendu Mort-les-Londres jouer. Je l'ai connu à Macasa. Ah, Collège Manitou. C'est lui qui a été parmi les plus les grandes influences, je pense, dans la vague de après ça, on va composer notre propre musique, on va le chanter, puis ça va devenir quelque chose à nous autres, ça va être un truc où on va être fiers. Il chantait en cri. Je me suis dit, face à moi, s'il peut chanter en cri, composer en cri, mais pourquoi pas moi? Chanter en Inuit. Le festival, c'était une de ses missions, faire la place à la langue. On a appelé ça Inuit Nikamo, justement parce que ça pouvait dire deux choses. Ça pouvait dire les Inuits chantent, ça pouvait dire aussi chante en Inuit. Fait que c'était. Le message était lancé. Le monde qui chante en Inuit, c'est ça qui est le fun.
sais, t'as pas fait ça pour rien. Là. Mais au début, je le savais pas que ça allait faire boule de neige. Et non, le commun! Grâce à vous, c'est là. C'était l'année internationale de jeunesse. Ça a été par ce biais-là qu'on a été chercher des subventions pour faire le festival de musique. Quand ils ont arrêté de financer le festival, ça a été très dur. Ils ont eu 3 ans de budget. Après ça, il n'y a eu plus de budget. Il fallait trouver le budget. Puis là, je commençais à trouver des commandes. On avait notre ami Gilbert Pilot là, qui nommait les commanditaires pendant que ça pétait. Ah, celui-là, c'est pour Chetoche électrique, épicerie No. On les calait, puis des fois, ils lâchaient quelques jokes autour, puis c'était devenu comme la façon de faire. Demander commanditaire, t'appelles le mendiant. Chaque fois, tu vas y voir. Ah, pas le mendiant. Celui qui vient de têter un peu de fond, un pas de fond. Puis en dernier, j'ai trouvé le moyen de faire un bingo illégal. J'avais mis un chapiteau sur le terrain du festival. J'avais loué les tables, les chaises, puis j'ai fait un profit de 39. Puis là, j'ai réalisé que je pouvais en faire d'autres. Ben, c'est ça. On va commencer le bingo. Premier tour, 2 lignes, bon pour 500 $. Merci. Merci de venir en très grand nombre et jouer au bingo de cet après-midi. Vous savez que tous les bénéfices sont transférés, si on veut, au Festival des Nénécamo. Bingo, félicitations. Jamais. J'ai été poursuivi en cours pour ça. Au début, il me poursuivait de 25 000. Puis à un moment donné, l'avocat, il a dit ça ne m'appartenait pas, le bingo, ça appartenait à la communauté. Je travaillais pour la communauté comme bénévole, t'as ci, t'as ça. Le juge a dit 250 pièces. Il dit je vais sortir ça de mes poches. 250 pièces. On va laisser faire le festival, je vais le payer moi-même. Après ça, on a refait pareil, on a continué, mais ils n'ont jamais revenu là-dessus. Mais non, le gamo, c'est une voie, un moyen pour retrouver notre fierté, notre culture et d'amener ce peuple à être ce qu'il doit être, un peuple uni, fier. Et heureux. C'est ça qui est important, c'est d'être heureux. Hein? Oui, on était heureux. Ouais.
arrivons au spectacle de la soirée. Le groupe le plus populaire à l'est de Vancouver est dénommé Cartel. Premier album, quand ça a sorti, là, ça a fait tout de suite la tornade intense. Là, tout de suite. Le jour du lancement, le soir, on était dans un avion puis on s'en allait à Paris. Là, on s'est retrouvés dans les grands centres. À vivre intensément la musique, puis les gens étaient là. C'était immense, là. Et on débute la nouvelle saison cette semaine avec Kashtin. Les images que vous allez voir ont été tournées chez eux, tout près de cette île, à Malioténam, au mois d'août, lors du Festival de musique autochtone Inunikemu. Depuis la sortie de leur micro-sillon l'automne dernier, on en a vendu des milliers d'exemplaires, certainement plus de 100 000. Une première émission, donc, en compagnie de Kashtin à la maison. Une émission sans barrière, une émission sans réserve, tout de suite après la pause. Malioténam. Je suis fier que Musique Plus soit ici dans la région où je demeure parce que le monde de Montréal vont découvrir qu'est-ce que c'est un peu Malioténam. Ceux surtout qui nous connaissent, qui sont en ville. On avait une scène aussi, là, t'sais, on avait une scène qui... où est-ce que tous nos amis, tous nos parents, toutes nos familles étaient là. Tu sais, fait que ça nous donnait une certaine fierté d'attirer l'attention sur le festival, mais aussi sur la communauté, à savoir qui sommes-nous. Ben, nous autres, on est influencés à Kashtin, puis tu sais, ils font de la bonne musique, puis on essaie de faire un peu comme, pas comme Kashtin, mais de ce chemin-là. C'est la première fois que tu vois des Amérindiens sur International, puis ça nous encourage. C'est bien ça. Encore. All right. Plus fort, hey. On était dans un mouvement qui n'était pas arrêtable. Instead of moving on the Oka barricades by road, the Army chose the terrain it likes best, the forest, moving in from behind, coming in the back way. À un moment donné, en entrevue, on nous annonce qu'on est boycotté, tu sais. On est boycotté à cause de la crise à Oka. Les commanditaires appelaient les stations pour leur dire que arrêtez de faire tourner cette musique-là. On comprend pas, c'est peut-être des messages de guerre qui font, c'était n'importe quoi. Là, 2500 personnes se sont rendues à Oka manifester leur appui au Mohawk. Des milliers d'Autochtones que le drame d'Oka a unis dans leur quête de respect et d'autonomie. Je suis venu ici pour venir supporter les Mohawks. Ouais. Oui. Pour pas que ça arrive à d'autres nations indiennes. Il y avait les jeunes qui écoutaient le groupe montagnier Kashtin. Ils nous ont retiré des ondes,
Puis on n'est jamais revenu après. Là, t'sais. C'était pas juste le temps d'une crise. C'est comme ça que ça a tourné notre truc. Toughest challenge for any government in the Western world and our world is to defend democracy against people who do not believe in democracy. I pity its day, and the mind of the man thrives on hate. Smaller the lies of cheats and of liars, of bigoted news press, fascist empire. Gens, des non-autochtones de cette île qui sont à côté, pratiquement à trois coups de tambour de cette île, ils sont jamais venus sur le site. Ils savent qu'on existe, ils savent que le festival est là, mais ils se déplacent pas à venir écouter les artistes. Fait qu'en ayant une ouverture vers les artistes non-autochtones, ben ça l'a amené un petit peu plus, puis d'année en année, il y en a qui reviennent. Il y en a des nouveaux, mais il y en a qui sont venus l'année d'avant parce qu'ils ont vu Vincent Vallière l'année passée ou Cain il y a deux ans. Puis maintenant, ils disent hey, c'est un beau festival, c'est un beau lieu. Puis là, ils reviennent. D'une année à l'autre, souvent, ils se disaient je sais pas si. Si on va être capable de continuer. Là, les téléphones rentraient. Hey, c'est quand Inno Nikomo cette année où les téléphones rentraient de la basse côte? C'est quelle date? Parce qu'eux, il faut qu'ils se préparent de longue date pour venir. Là. Ça leur coûte cher venir au festival. Ils veulent savoir c'est quand. Festival Inno Nikomo, c'est l'effort de toute une communauté. Il y a une année où on se demandait si on pourrait faire le festival. Les gens de la communauté se sont mis ensemble et ils ont dit, avec pas de moyens, là, on va le faire pareil. Tandis où tu venais? Tu viens de quel endroit? Oui, on a vu. Tantôt qu'arrivez-vous? Tantôt qu'arrivez-vous.
Du Nord. Du Nord. Après année, les enfants de la communauté, là, ils ont hâte au festival. T'sais. Fait que je me vois à l'époque, en 1986, moi aussi, j'avais hâte tout le temps. T'sais. J'avais hâte à l'année d'après. J'avais 8 ans à l'époque, puis je me traînais ici. Là, comme je vois mes enfants se promener, courir un peu partout dans le site, là, à partir de jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à la fermeture, on était potes, on regardait, on était impressionnés. Que j'entendais, les gens qui dansaient, ceux qui chantaient, qui connaissaient les chansons, ça m'a marqué beaucoup. I'll give it back to you after. Cet artiste unique en son genre offre des chansons honnêtes et engagées à savoir reggae pop et dancehall. Il sera accompagné ce soir de son drummer Jean-Daniel et de son bassiste Alain. Alors, on doute tant mes mots que ce duo! Charlotte! Wouh! Yama! Ça va bien, tout le monde? Je suis pas tellement expert en chant traditionnel, mais juste pour le fun. Ça vous tente-tu? Vous entendez le tambour? Je suis un métis, mais qui est très attaché à son côté Innu, je pourrais dire. Et quand j'ai retourné avec ma mère, c'était la première fois que je voyais le festival Innu Nurumu. J'avais passé tout un été à Manutenam. Je me souviens de, après avoir tout vécu ça, puis d'avoir redécouvert ma nation, puis moi. Mon monde, là, ma famille et tout. Fait, j'ai décidé de rester avec ma mère. Quand j'ai connu Shawit, il parlait pas un mot Innu. Puis à un moment donné, il s'est dit « Je veux apprendre l'Innu. » Puis il a commencé à l'apprendre. Il chantait des chansons en Innu.
sans trop savoir ce qu'il disait, là, mais il prononçait très bien. Puis, par la suite, quelques années après, il s'est mis à faire ses propres chansons. On m'a dit, ah, pourquoi tu vas pas chanter Ainu Nomo, justement, tu sais, puis ça a pris du temps, là, tu sais, à 15, 16 ans, 17 ans, les gens me demandaient déjà, tu sais, tu devrais chanter en public, tout ça, puis j'étais un gars très gêné, très timide, que ça a pris un moment avant que je fonce, puis que j'embarque sur scène. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, maman, pourquoi tu m'as pas appris l'inno, là? Pourquoi, tu sais? Je trouvais que c'était plus facile, probablement, de m'élever en français avec mon père et tout. Puis, dans sa tête, elle savait probablement qu'est-ce qui se passe dans une réserve, puis les douleurs et tout ça. Probablement qu'elle voulait comme me protéger de ça, tu sais. Moi, Malio, là, j'ai toujours pensé que c'était une place... tu sais, il n'y a pas beaucoup d'agressivité, il n'y a pas beaucoup de chicane. Mais il y a mal de vivre. C'est pas pour rien qu'il y a un taux de suicide élevé. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui fuguent, il y a des gens qui consomment à n'en plus finir, là, jusqu'à se détruire, à mourir à 30, 35 ans, là. Les gens boivent pas pour se détruire. Les gens boivent pour se faire du bien. Les gens boivent jusqu'à un certain point pour se guérir. Mais ça a des séquelles effrayantes. Et ça, c'est ce qui, malheureusement, là, vient amplifier le problème de nos difficultés. Si je me mets dans la peau d'un jeune aujourd'hui, je marche dans la communauté, en dehors des semaines du festival de musique ou des semaines, et je me trouve coincée. Cette impuissance-là à changer certaines choses, ou tes croyances à l'impuissance de changer certaines choses dans ta vie sont là, sont ancrées, sont même, font même presque partie du culturel qu'on offre, des croyances qu'on offre aux jeunes d'aujourd'hui. Bon, tu sais, tantôt, je m'entendais dire, ben, moi, je vais mourir, il va y avoir encore des réserves. Ben là, écoute, le jeune qui entend ça, ça l'encourage-tu à changer les choses? Mais, tu sais, il y a comme une impuissance qui est comme donnée, là, intergénérationnelle, là, et qui est pas bonne du tout, qui est négative, ce sentiment-là d'être impuissant, là, d'avoir les mains liées sur notre devenir. Et je pense que c'est très présent pour beaucoup de personnes qui choisissent de fuir, de s'enfuir de façon irrémédiable.
c'est dans ce sens-là que je disais, le festival vient répondre à une question. Ben oui, mais si je consomme plus, comment je vais faire pour avoir du fun avec mes chums? Comment je vais faire pour me sentir bien? Comment je vais faire pour me dégêner? Comment je... je vais aller chanter sans alcool, sans boire, puis je vais aller en trouver d'autres qui ont du fun dans un festival qui ne boivent pas. De suivre les bergers avec un gros bout du bâton. Tout le monde ensemble, c'est la tête en haut. La communauté de Malioténam, c'est pas très grand, là, tu sais. Les terres, la couronne qui nous reste à Malioténam, c'est ce que la couronne a bien voulu concéder aux Innos pour quand elle les a transportés ici. On prévoyait pas qu'il y aurait un festival. Faisant le tour, on s'est aperçu que là, il y avait, dans les vestiges du pensionnat, il y avait un champ libre. Le site en tant que tel, il y avait, ça a commencé ici à peu près le pensionnat, quel poteau là, électrique. Il y avait le pensionnat, tout le long, ici, tout le long. Jusqu'où il y a des chaises, ça finissait là. Ça finissait parce qu'il y avait une sorte de rentrée de camion pour rentrer la nourriture. Mais il y avait tout, au lieu d'enlever le béton qu'il y avait au fond, ils n'ont rien que fait tomber. Une fois fait tomber le béton, ils ont enseveli ça de sable.
Il a été détruit dans les années 70. C'est ça le site. Il a été même... les dernières années, je pense qu'il a été même décontaminé. Parce qu'on a été contaminé par les pensionnats. Les pensionnats, ça a fait mal. Ça a fait mal. Ça a brisé. Ça a brisé les communautés. Non, il ne faut pas mêler la musique et le pensionnat là-dedans. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu le pensionnat. Le pensionnat, on va le laisser enterrer là. On va le laisser mourir. Et nos lagrimaux vont prendre la place. Tant mieux. Il me semble que l'ancienne cordonnerie du pensionnat a déjà servi de bureau pour le festival. Ah, la fameuse cordonnerie. Moi, je travaillais au festival de musique au début, pendant bien longtemps, mais j'avais pas entendu aucune histoire dans ce cordonnerie-là. Puis la bâtisse servait de bureau au début. La cordonnerie était ici, où il y a la bâtisse là, qui est là, juste là, où il y a les toilettes. Parce que tu vois là-bas aux toilettes, il y a un plancher. C'est le plancher de la cordonnerie. C'était pas un édifice important. Mais c'était important pour plusieurs parce qu'ils venaient pas au festival. Je voyais certaines personnes qui étaient au loin, là, regardaient de loin, de l'autre bord de la rue, et regardaient ça. Ils venaient pas au festival, on savait pas pourquoi. Mais à force de travailler dans les domaines des pensionnats, j'ai su qu'il y avait eu beaucoup d'abus. À avoir su, ça fait longtemps que je l'aurais démoli moi-même, là. Mais là, c'est là que j'ai organisé la rencontre. Rencontre des survivants des pensionnats. La dernière étape de la rencontre, c'était de brûler la cordonnerie en offrant du tabac pour s'alléger de ça. Des personnes qui ont été soit abusées ou maltraitées dans le pensionnat ne parlaient pas, hein? Des fois, ils venaient d'en parler, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils n'avaient rien dit là-dessus. Ils ont commencé là, à partager qu'il y avait des effets intergénérationnels. Avec les effets qu'on transmet à nos enfants, qu'on va transmettre à nos arrière-petits-enfants, qu'on va transmettre à arrière-arrière-petits-enfants, si ça, on n'en discute pas. C'est qu'il faut en sortir. Parce qu'il y a aussi nos générations qui ont souffert de ça, de nos abus, nous autres. Ils ont souffert de ça. T'sais, on n'a pas pu comme aimer comme on aurait dû aimer nos enfants. Moi, quand j'ai été agressé, j'ai pas pu comme aimer comme j'aurais dû aimer mes enfants. Sauf le dernier, j'ai pu le prendre à mes bras. Les autres, j'ai pas pu les prendre à mes bras. J'avais peur de leur faire mal. Parce que j'avais mal. Juste le dernier, parce que j'avais commencé à guérir. Et c'est pour ça que je dis maintenant, ça guérit, ça aide. Indianness was not to be tolerated. Rather, it must be eliminated. In the buzzword of the day, assimilation. In the language of the 21st century, cultural genocide.
The government of Canada now recognizes that it was wrong to forcibly remove children from their homes, and we apologize for having done this. We don't need no more trouble. We now recognize that it was wrong to separate children from rich and vibrant cultures and traditions, that it created a void in many lives and communities, and we apologize for having done this. We now recognize that in separating children from their families, we undermine the ability of many to adequately parent their own children and sow the seeds for generations to follow. And we apologize for having done this. We now recognize that far too often, these institutions gave rise to abuse or neglect and were inadequately controlled. And we apologize for failing to protect you. Not only did you suffer these abuses as children, but as you became parents, you were powerless to protect your own children from suffering the same experience. And for this, we are sorry. We are sorry. No more trouble. Je parle de ma situation à moi, okay? De mon expérience à travers les pensionnats. Mais ce que je sais, c'est l'expérience de tous les Indiens d'Amérique. On a tous vécu, ceux de ma génération, cette expérience-là. Tous. Qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit dans l'ouest du Canada, qu'on soit dans le nord, on a vécu la même chose. On a le même ADN par rapport à ça. Donc, on se reconnaît aussi. On se reconnaît. On a passé à travers. C'est sûr que ça a fait des séquelles énormes, mais il y a quand même une résilience et une force qui nous vient de nos ancêtres et notre capacité spirituelle. Quand on veut bien s'ouvrir à ça, OK? Faire en sorte qu'on peut continuer puis qu'on va laisser en héritage à nos enfants d'autres choses que cette violence. Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Nina Segalowitz. Je viens de Fort Smith, territoire nord-ouest, qui est près de Yellowknife. Et je vous présente ma fille, Sierra. Ça fait 20 ans que je fais le champ de gorge. C'était un gros trajet pour moi parce que j'ai été adoptée par une famille juive et philippine. Et j'ai été élevée à Montréal. Alors, j'étais très loin de chez moi et je n'avais pas beaucoup de contact avec ma mère culture. Et puis, ma mère a passé par les écoles résidentielles et mon père aussi biologique. Alors, aujourd'hui, je suis très fière d'être capable de passer cette tradition à ma fille. Et puis, on va partager un peu nos histoires puis aussi des chansons. Alors, j'espère que vous aimerez ça. Mm-hmm.
Nous reviendrons. Nous reviendrons. Nous reviendrons fugitifs de l'histoire, des guerres au-delà du réel et du lieu. Nous reviendrons. Nous reviendrons, plus puissants que l'ignorance. Nous renverserons le passé pour en purifier la mort. Nous reviendrons, forts de ce qui nous précède, ancêtres, aïeux et légendes. Le Makusham, la danse, c'est une tradition. C'est la grande tradition. Danser le Makusham, à partir de là, tu peux raconter. Passer le message. Le caribou donne la peau du tambour. Le tambour donne le rêve du chasseur. Et le rêve donne le caribou. Alors, cette nourriture ne vient pas tout seule sur ces tables. Alors, prenons le temps de remercier notre Dieu, notre Créateur, de toutes ces belles choses qu'il nous donne et qu'il nous fait vivre. Allez, René, ça va bien? Oui, oui. On chante l'après-midi, là? Oui. Ah, c'est un bon country. Hein? Aïe, aïe, aïe! Installé pour jusqu'à ce soir, c'est un peu plein. Dimawena, Dimawena, aïe, 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 no magoyo. Ay, 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 ay
Jeff, bonjour. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Vous allez être au festival Inu, le festival Inu Mikanu. Inu Mikamu. Nikamu, pardon. Hey, c'est. Il rend du tard. Non, Nakamo! Non, Nakamo! Déjà tôt, en après-midi, des fans de Simple Plan étaient rassemblés devant la scène du festival. Ils sont venus de partout au Québec et veulent être aux premières loges pour entendre leur groupe favori. All right! Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient! Vous avez eu un bel été ici! C'est pas fini encore, hein? On continue l'été avec Summer Paradise. Et on va inviter Shawit! Un artiste d'ici qui va chanter avec nous! Faites du bruit pour Shawit! Hey, hey! Hey, hey! Moi, ça va tout le monde! Shawit Simple Plan! My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to your name. Je suis quelqu'un qui peut apporter un peu de joie en chantant de ma musique. Tu sais, ouais, chante, tu sais, puis pas de trouble. Mais je suis pas. J'aimerais ça avoir un pouvoir plus grand pour pouvoir améliorer la vie de mon peuple, là, tu sais. Mais c'est comme. C'est dans mes plus gros fantasmes, là, tu sais. De faire la toune qui change le monde, là. Tu sais. Je pense que jamais personne n'a réussi encore. Mais, tu sais. Encore cet espoir, cet fol espoir-là. J'ai vu de ces jeunes-là commencer, à cause d'une prestation à Inu Nakamu, à se dire « je peux, je vais continuer, j'aime ça ». Il semble y avoir quelque chose dans leur esprit qui prend vie à ce moment-là, une foi, une croyance en eux-mêmes. The great new chief is born. Risen fast toward the sun. Our downbeat has begun. In 1821. Ray of Blackfoot's soul is born. Why the tears? You've been a brave man. Tombé des communautés Inu, l'avenir du peuple Inu, il s'est là devant vous. Bravo, félicitations! Je suis éduqué, mais j'ai pas pris dans.
temps d'étudier. J'utilise beaucoup trop d'anglicisme sur le régulier. Tu veux que ton fils devienne un médecin ou un ingénieur? Y arrive pas si ton fils aime le dessin, fait plein d'erreurs. Un incompris qui sent comme un crétin à l'intérieur, qui pense que les sont par du dessin est bien meilleur. Il se fait demander pourquoi il est pas comme son frère. Il se fout des profs, il connaît proche son école secondaire. Il joue les toughs, mais sous les corses, y'a un gars qui est pas fier. Il voudrait tellement pouvoir porter les portes de son père. C'est pour les gens bizarres qui portent les plumes jusqu'au talk à sport et tu. Pour ceux qui adorent la solitude, un soir après la soirée de feu. Pour ceux qui ont des vies monotones, qui voudraient partir loin, qui cherchent encore leur place, veulent se sentir bien. Ma soeur est partie dans l'Ouest canadien. Dans ses poches, elle a rien, puis je sais pas quand est-ce qu'elle a bien. Je trouve que mon business est dans les gages. J'ai envie de faire du buzz au Québec à Montréal. Mais ceux qui prennent la route seul avec un backpack. Au départ, c'est quand j'ai visionné pour la première fois le film de Richard Desjardins, Peuple invisible, où j'ai pris conscience d'où venait tout ce mal de vivre-là que je vivais, moi, mais que les gens autour de moi vivaient, chez moi. Et déjà, je me suis dit, mais ça passe par le savoir, par en apprenant l'histoire, puis... C'est dans cet apprentissage-là, dans cette connaissance-là de l'histoire, qu'on est capable de changer le cours des choses, rien qu'en sachant l'histoire. Mais c'est resté latent pendant longtemps, jusqu'à temps que un gars de notre communauté ici a réalisé un court-métrage sur les femmes pendant le blocus de la route 138 en 2012. Puis que j'entende le discours de ces femmes-là. Quand elles ont commencé à marcher de Maliotenam à Montréal, moi, je comprenais ce qu'elles disaient en innu, en criant. Mais je savais que le reste des gens du Québec qui ne comprennent pas l'innu, ne parlent pas l'innu, ne connaissent rien des innu et comprennent pas le discours. Ils comprennent surtout pas pourquoi on revendique le territoire de cette manière-là. Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants si je vends ma terre? Si je donne tout que mes ancêtres m'ont légué? Le choix nous appartient, j'ai choisi la résilience. On est loin d'être parfait, mais on pourrait donner l'exemple. Rempli de pas de valeur, on a tout pour réussir. De toute façon, pensez-y, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Rien à faire, juste un point de vue. Il y a nos rêves qu'on pourra nous enlever. Combattons, réunissons nos efforts. Seul on peut rien, mais ensemble on est fort. On a la clé pour se libérer nos chaînes. Même si on sait que ça ne sera pas toujours si simple. Mais qui a dit que le combat serait facile? Changeons le cours de l'histoire. La lutte est légitime, tout le monde. Yo! Hey!
Ok. Tu peux imaginer, tu parles à moi, je suis bien calme. Oh, ouais.